Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information. Ils sont plusieurs élèves à chercher des jobs de vacances pendant ces périodes et ce pour diverses raisons. Plus de précisions avec Jacques Poussavon. Il est désormais de tradition au Gabon et à Port-Gentil en particulier de voir les apprenants se mettre à la recherche d'un petit boulot de vacances dès la fermeture de classe et ce pour diverses raisons. À nos besoins, subvenir à nos besoins scolaires, bien d'autres encore. Et bien d'autres comme quoi? Et bien d'autres, bon, comme acheter des habits, acheter d'autres. Les choses, les chaussures pour l'école, pour aller à l'école. Les cahiers aussi. Parce que je veux un peu d'argent pour aider ma famille. Parce que je vois qu'en ce moment-là, il y a la crise un peu. Quand je viens aider ma famille pour avoir un peu de sous, pour mettre l'année prochaine à l'école. Je fais ce boulot de vacances pour aider mes parents à l'école, pour mes fournitures scolaires, pour mes petits besoins aussi personnels. Et ça me permet aussi d'apprendre beaucoup. Parce que déjà, je fais un travail qui m'apprend beaucoup. Je fais aussi déjà une formation sur le marketing, comme vous pouvez bien voir. Je fais aussi du marketing, donc ça m'aide beaucoup. Et vraiment, c'est très bien. J'encourage aussi d'autres jeunes à faire comme moi. Une initiative saluée par plusieurs parents. Un enfant qui pense à travailler pendant les grandes vacances, c'est aussi alléger la charge des parents lors de la rentrée scolaire, n'est-ce pas, à payer leurs fournitures et autres. Donc, les enfants qui cherchent du travail pendant les grandes vacances, moi, je les encouragerais. Ils cherchent à aider leurs parents à soulager la charge des fournitures scolaires pour leurs parents. Donc, c'est une bonne idée. Je les encourage parce que les responsabilités, ça se prend dès à bas âge. Donc, c'est mieux. Comme ça, ils sauront gérer leur famille dorénavant. Mal que les enfants font des petits boulots, au lieu qu'ils prennent par ce parent. Ceux qui sont en âge de faire des petits boulots, c'est mieux qu'ils le fassent pour pouvoir aider les parents parce qu'il y a des parents qui ne travaillent pas aujourd'hui. Toutefois, il est à souligner que de nos jours, plusieurs de ces élèves qui ne demandent qu'à soulager leurs parents de certaines dépenses scolaires ont du mal à trouver un petit boulot, aussi bien en entreprise que chez les particuliers. Regroupé au sein du syndicat national des retraités, SINARE, au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée, les retraités gabonais ont émis de sérieux doutes sur les récentes annonces faites par Nicolas Sélé, directeur général de la CNSS. Le compte rendu signé d'Armamba. Les retraités gabonais regroupés au sein du syndicat national des retraités, SINARE, ont animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont émis des sérieux doutes sur les récentes annonces faites par le directeur général de la CNSS. Nous nous étonnons de la publication de ces mesures prises unilatéralement sans aucune consultation des parties prenantes, à savoir le ministère de tutelle, le conseil d'administration, les partenaires sociaux, etc. Les questions qui nous viennent à l'esprit sont de nous interroger sur quelle loi s'appuient toutes ces dispositions et aussi quelles en sont les sources de financement. Nous avons de sérieux doutes quant aux nouvelles dispositions présentées. N'est-ce pas, Madame le Directeur Général, qui avait déjà initié une carte biométrique pour un meilleur suivi des retraités? Qu'en est-il de ce projet? N'est-ce pas, Madame le Directeur Général, qui annonçait dans sa feuille de route 2018 le maintien du paiement mensuel des pensions retraite, obligeant ainsi les retraités à ouvrir des comptes bancaires avec pour objectif de payer les pensions mensuellement par virement bancaire? N'est-ce pas encore le même Directeur Général qui, lors de la présentation de vœux en janvier 2019, confirmait, parmi les engagements de service de la CNSS, le paiement mensuel des pensions bancarisées par un virement le 5 de chaque mois suivant l'échéance? Les retraités ont émis des exigences à titre conservatoire pour ramener la sérénité en leur sein. Il s'agit du maintien du paiement mensuel des pensions, la révocation de l'actuel directeur général pour incompétence, la suspension du conseil d'administration de la CNSS, l'organisation des états généraux de la sécurité sociale et de l'action sanitaire au Gabon.
Dynamique Unitaire est suspendue des médias publics et privés pendant 3 mois. C'est du moins ce qui ressort de la décision prise par la Haute Autorité de la Communication le mardi 16 juillet dernier. On fait le point dans ces éléments de nos confrères. À la suite de la déclaration du président de Dynamique Unitaire tenue le 4 juillet dernier, au thème de laquelle Jean-Rémy Yama affirmait que le chef de l'État Ali Bongo est mort, il n'existe plus. La Haute Autorité de la Communication, HAC, a, à l'occasion de sa séance plénière du mardi 7 juillet, décidé de la suspension des dynamiques unitaires des médias publics pour une durée de 3 mois. Pour l'autorité de régulation, cette déclaration est un abus de la liberté d'expression qui sort son auteur du champ de compétences syndicales pour celui politique. La HAC n'a pas manqué de rappeler qu'elle a convoqué sans suite Jean-Rémy Yama aux fins de s'exprimer sur ses propos. Outre cette décision de suspension, la Haute Autorité de la Communication n'a pas manqué d'appeler les sociétés de communication nationales et internationales au strict respect de cette décision. Ainsi, la centrale syndicale sera privée, non seulement des médias publics, mais aussi privée. En Éthiopie, le groupe ethnique Sidama menace de déclarer unilatéralement la formation d'une monnaie si le gouvernement fédéral n'applique pas la constitution en matière d'organisation d'un référendum sur la question d'autonomisation des régions. Africa 24. Le gouvernement fédéral éthiopien fait face à une nouvelle demande d'autonomie. Le groupe ethnique Sidama menace en effet de déclarer unilatéralement la formation d'un État régional le 18 juillet 2019 si le gouvernement fédéral n'applique pas la Constitution en matière d'organisation d'un référendum sur la question. De son côté, le Premier ministre Abiy Ahmed invite à la patience. Je demande aux populations du Sud qui ont demandé la création d'un État régional de faire preuve de patience. Mais si quelqu'un essayait de le faire de manière illégale, la même chose se produirait dans le sud de la Somalie. Nous avons reçu les demandes et soyons patients. En Éthiopie, chaque groupe ethnique a le droit constitutionnel de voter sur la création d'un nouvel État si son conseil d'administration en fait la demande. Le scrutin devant avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la demande. Dans le cas de Sidama, cette demande est intervenue le 18 juillet 2018. Les textes prévoient aussi que le délai de vote ne doit pas dépasser 2 semaines. La velléité d'autodétermination du mouvement de libération des Sidama reste cantonnée à l'activisme d'un mouvement politique. Aujourd'hui, il faut déjà commencer pour le gouvernement éthiopien à entamer des pourparlers pour tenter de contenir les velléités exprimées par le mouvement de libération des Sidama. Les Sidama représentent environ 5% des 105 millions d'habitants de l'Éthiopie et constituent le groupe le plus important du sud du pays. Un pays qui compte déjà 9 États régionaux fondés sur l'ethnie avec une autonomie dans la collecte des taxes, la langue, la sécurité et un droit de regard sur l'éducation et l'administration des biens fonciers. Le lundi 15 juillet dernier, 11 détenus gardés à vue dans les locaux de l'unité antidrogue au Burkina Faso ont trouvé la mort, semble-t-il, de façon suspecte. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations. Reportage. Au Burkina Faso, la mort suspecte de 11 détenus gardés à vue dans les locaux de l'unité antidrogue le lundi 15 juillet 2019 suscite de nombreuses interrogations. 48 heures après le drame, le commissaire de cette brigade spécialisée, Richard Bellem, a été relevé de ses fonctions à titre conservatoire par les autorités. Malgré la fermeté de la mesure, la situation est jugée inacceptable par les organisations de défense des droits humains. Peut-être qu'il y a eu une négligence, tout porte à le croire, mais dans le fond, comme je l'ai dit, c'est les conditions de la détention qui ont certainement, très certainement, causé ce drame. Et il faut en tirer les conséquences tant juridiques au niveau collectif qu'au niveau individuel. S'exprimant au sujet du drame, l'Union nationale de la police a indexé ce mardi dans un communiqué les conditions de détention en préventive de ces personnes, l'hygiène du violon, l'exiguïté des locaux serait selon l'organisation à l'origine de ces morts. Il y a un caractère fortement partisan, donc ça c'est la nature des choses. L'autre aspect, c'est que c'est un communiqué qui est actif. Nous le trouvons actif compte tenu du fait que l'enquête vient de démarrer. Parce qu'on ne sait pas si les déviances comportementales ont entraîné des coups de poing entre les détenus qui ont été effectivement gérés sans bavure par la police. Naturellement, ça pose effectivement des questions. Une enquête, selon le procureur du Faso, est ouverte afin de situer les responsabilités.
S'il s'avérait que les victimes ont subi des pratiques de torture, les ayants droit pourraient être indemnisés par l'État comme le prévoit la loi, même en l'absence d'une plainte formulée. La Côte d'Ivoire et le Ghana reprennent la vente anticipée du cacao pour le compte de la campagne 2020-2021. Les deux pays avaient suspendu leur vente le 12 juin 2019. Ils annoncent dans une communication commune de nettes avancées. Les précisions dans cet élément. Reprise de la vente anticipée de la récolte cacao de la campagne 2020-2021 par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays avaient suspendu ces ventes le 12 juin pour obtenir un prix plancher de 2 600 $ la tonne. Dans un communiqué, ils annoncent la mise en œuvre du concept de prix plancher par l'instauration d'un différentiel de revenus décent de 400 $ la tonne. Un combat soutenu par les producteurs de cacao. Je dois aussi demander à tous les producteurs de Côte d'Ivoire, les producteurs du Ghana, qu'on se mette ensemble, parler la même chose pour que ce que les présidents ont pris puisse s'accomplir. Sinon, si nous ne nous mettons pas ensemble, que les gens viennent se mettre entre nous et nous acceptons ce qu'ils veulent, le prix du cacao ne va jamais avancer. Pour les spécialistes, l'échec du combat de la Côte d'Ivoire et du Ghana est de ne pas avoir associé tous les pays africains producteurs de cacao afin de constituer un front uni face aux exportateurs et chocolatiers. Il aurait fallu que ce soit une décision continentale. En dehors de la Côte d'Ivoire et du Ghana, tous les autres pays qui ne sont pas quand même négligeables, le Nigeria, le Cameroun, tous ces pays-là qui produisent du cacao, pour que nous puissions parler d'une même voix. Vous levez, mais en définitive, nous ce que nous demandons, c'est que vous puissiez alléger les taxes, faire en sorte que nous ayons plus que 60% du prix FOB. En rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes. Le Ghana est le deuxième producteur mondial avec 950 000 tonnes. Les deux pays produisent 60% du cacao au monde. Le tirage au sort des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a été réalisé ce jeudi 18 juillet 2019 au Caire en Égypte. Les 52 équipes sont reparties en 12 groupes de 4 et toutes partagent un même objectif, la qualification pour le prochain tournoi au Cameroun. Le Gabon dans le groupe D aura pour adversaire la République démocratique du Congo, l'Angola et le vainqueur du match Djibouti-Gambie. Deux équipes qui font partie des équipes tirées au sort parmi les 8 équipes les moins bien classées au classement FIFA. Le rendez-vous est donc pris du 11 novembre 2019 au 17 novembre 2020 pour savoir les équipes qualifiées de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous voilà arrivés au terme de cette principale édition d'information. Merci d'être resté des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre chaîne YouTube Top Benché Gabon Officiel.